Yo, food party, man! Aujourd'hui, gros épisode! Il fait beau encore! Dernier vendredi avant que l'été commence! Come on! Hey, come on! On se met en maillot! Ouais, fait beau, il fait chaud, on se met en... maillot! Come on! Ok, là! Comme vous voyez, j'ai mis mon beau chandail. Pour les non-anglophones, ça dit IP and pool. C'est-à-dire que moi, je fais pipi dans les piscines. Moi, je mets ce chandail-là juste pour que tout le monde soit au courant. Comme ça, il n'y a pas de malaise, c'est un courant chaud. Regarde, c'est moi qui ai fait le courant chaud. That's it, là. Oh, mais avant que commence, qu'est-ce qu'il faut prendre le temps de faire quand l'épisode commence? Là, bon, juste faire un petit rappel, c'est comme les habitudes, vous savez déjà. Mais, quand on va être raison. Ok, cool. Faut que tu remercies tes parents. Sois là dans le chat, participe, tu comprends? Sois là, même. Mais, sois, reste respectueux, s'il te plaît. Ouais, pis donne aucune information personnelle. En fait, commente maintenant si toi aussi tu fais pipi dans les piscines. C'est correct, c'est correct. C'est correct, après lui. Prenez le temps de partager, on partage à sa connect, right? Yes, ça come on, come on, parle à sa connect. C'est pas si pas une connect. Yo! On va t'expliquer ça tantôt. Merci. On y va tout de suite, on a 4 segments aujourd'hui. 4 segments chauds, hot and dangerous. Hot and dangerous. C'est hot! C'est hot! Le premier, c'est splash dans ta face. Donc, le segment est super simple. C'est super simple. Hey, hey. Si tu réussis pas une question, tu vas avoir un splash dans ta face. Dans ta face, c'est vrai! On écoute ça? Non, là! Non! Hey, Influence, on est ici. Aujourd'hui, on va faire splash dans ta face. Oh c'est un yeah. Nouveau concept. On profite des derniers jours de l'été pour... mouiller la face. Ouais, j'allais dire maltraiter, mais oui, mouiller la face. Avec alors, on va poser des questions à nos jeunes d'influence, puis on va voir s'ils sont prêts. À nos jeunes, à nos leaders, everybody in the building. Oh yeah! S'ils n'ont pas la réponse après 5 secondes, ils se sont splashés. So, are you ready? À 5 ou 6 secondes? 5 secondes! 5 secondes! Are you ready? Woo! Give me some hype here! Let's go, okay. Kev! Mets-toi ici! T'es prêt, Kev? On n'est pas prêt, mais on va y aller quand même, hein? Récite Jean 3:16. Oh! Oh. Ah, ok, c'est comme ça. Fini! Fini! Oh my god! C'est trop stressé! Mec! Garde ça! C'était quoi la réponse? C'était quoi la réponse? C'est Dieu a tant aimé le monde. Comment? Moi, moi! Il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait une vie éternelle! On n'a pas le droit de mettre les mains devant la face. Regarde this. OK? Complète la chanson. Tu es incomparable à partir de... Tu es incomparable. Personne ne peut m'aimer autant. OK? Oh yeah! Woo woo woo! Jésus, OK? Dis-moi la question. C'est une easy, peasy, lemon squeezy. Quel était le premier nom de Influence? Oh my god! I'm listening like, wow! Blazing light. Claudia! Absolutely, Claudia. Okay, you got this. You got this. Okay, récite le verset le plus court de la Bible. Oh! Je suis... C'est quoi? Wow. Jésus pleurant. Alright, 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 alright! Next, Mitch, come on! Combien de livres il y a dans la Bible? 66! Woo! You got this, you got this! Joseph, you got this. You got this, come on. Quel est le slogan d'influence? Combien de paires d'animaux étaient dans l'arche de Moïse? Je passe. Réponse finale. L'arche de Moïse, c'est l'arche de Noé. C'était une
c'était une question piège. Ok. À la banane, you got this. À la banane. Qui est le père de la foi? Abraham. Anna est partie vite! Wow! You got this, you got this. I got this, man. I got this. Quelle est la référence biblique qui décrit la femme vertueuse? Je comprends pas. Hein? On va 31? Oh! C'est ça, hein? Tout là! Ok, come on, you got this! Let's go! C'est la dernière question! La dernière question, la dernière question! Dernière question à Chant TV! Bah, Aurélie, chante le refrain de C'est ça l'amour! Oh. Tu me ramènes beaucoup plus près, tenant mon cœur jusqu'à la fin! Jésus en toi, j'ai la liberté! Mouille la grand-mère! Merci, guys! Voici le segment Splash dans ta face de Influence TV. Yeah! Hey, come on! On sait ce qui se passe, on sait c'est qui les pros, on sait c'est qui connaissent leur affaire. C'est correct! Come on! Moi, j'ai réussi, vous comprenez, Abraham! On sait là que c'est le père de la foi. Comment je veux savoir pourquoi t'aurais réussi? Chante dans les commentaires sur la réussite. Je veux entendre ça! Prends le temps de dire les commentaires, quelle t'aurais réussi? J'aime ça. Prends le temps de nous écrire juste, moi j'aurais été tout arrosé. Soit honnête. Et ok, on continue avec... on a une invitée spéciale. Oh! Qui a c'est qui? Elle s'appelle Inès! Oh! Elle veut nous donner un conseil du futur. Inès, une bonne amie à moi. Come on, girl! C'est tellement d'années qu'on se connaît, c'est malade. Fait que, on va aller écouter ça. Le conseil du futur. Come on! Par Inès. Come on, on écoute ça. Sois prête. Bonjour à toutes les personnes d'influence, mon nom c'est Inès, je suis leader dans le réseau 1825. Donc j'ai été invitée par Stéphane et Marie-Lou aujourd'hui pour vous donner un conseil pour les jeunes au secondaire. Donc la question qui m'a été posée, c'est si je devais retourner dans le temps, étant moi au secondaire, c'est quoi le conseil que je me serais donné? Donc après réflexion, ça peut avoir l'air que c'est quelque chose que des fois on néglige, mais le conseil que je me serais donné, c'est de profiter pleinement de mes 5 années au secondaire. Parce que souvent, quand on est à une place, on a hâte à la prochaine étape, donc on ne profite pas pleinement de qu'est-ce qu'on vit et le moment présent. Mais quand on arrive au cégep, quand on arrive à l'université, on regrette nos années de secondaire parce qu'on se dit « Ah, si j'aurais pu en profiter, c'était plus simple, c'était moins compliqué, on avait plus de fun. » Donc moi, mon conseil, c'est vraiment de profiter pleinement du temps que vous avez au secondaire, des moments avec vos amis, avec vos professeurs. Donnez-vous au maximum, profitez-en pleinement pour que plus tard, vous n'ayez pas des regrets par rapport au fait que vous auriez pu en profiter différemment ou avoir des meilleurs souvenirs ou avoir bâti plus de souvenirs dans vos années de secondaire. Donc, voici mon conseil et c'est ça. Moi, je vous aime fort et écoutez, bonne rentrée et le Seigneur est avec vous, il vous garde. On vous aime. Bye. C'est vraiment ça, là. Parce que, Inès, là, on a parlé de vous ensemble, quand vous avez donné ce conseil-là, qu'elle veut que vous compreniez, là, c'est prendre le temps d'en profiter. Des fois, on est trop focus à tout de suite vouloir être au cégep, tout de suite vouloir à l'université, tout de suite avoir sa job. Au secondaire, profite-en, profite de chaque année, aie du plaisir, pis tout. Sois sage aussi, là. Inès, right, c'était ça qu'elle voulait dire, là. Elle sait que vous avez eu beaucoup de conseils, elle vous connaît, mais prends le temps de profiter à chaque année d'où est-ce que tu es rendu. Chaque année. Ça fait du sens, ça? Oui, ça fait du sens. Ça a du sens, regarde. Ça fait du sens, ça se dit pas. Ça a du sens, ça se dit. Come on, hey! Vous apprenez même du français! Hey! OK, come on! Ensuite de ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai des lunettes de plongée. Oh. Moi, je fais de la plongée sous ma vienne. Je l'ai juste là. Bravo! Je les drop ma nouille. Drop it! On job! OK! Là, mais le prochain, c'est quoi? C'est Kevin? Kevin! Kevin,
C'est bien, mais il y a de la misère avec les challenges. J'en ai réussi un, puis ça marche pas partout. Il en réussit pas partout. Il est meilleur en groupe, je pense. Il est meilleur qu'en groupe, fait que là, il a la chance de finir dans le milieu. Pas premier, pas dernier. Mais bon, il a perdu la semaine passée. Et là, c'est sa conséquence. Puis j'ai comme tendu un petit piège. Vous allez comprendre pourquoi. On écoute ça maintenant. Live. Oh! What's up, people? On arrive à ce segment-là que vous attendiez tous. Oui, oui, la conséquence. Dans le fond, Kevin, la semaine dernière, c'est lui qui a perdu, malheureusement, le challenge. Et là, il y a une conséquence. Sa conséquence, elle est simple. Comme vous voyez, il y a une glissade devant moi, ok, juste derrière moi. Et de chaque côté, il y a des panneaux. Et lui, il est blindfold, fait qu'il voit pas. Là. Lui, il voit pas ce qui se passe. Il va devoir, on va lui demander de quel côté il veut glisser. Et là, il va nous le dire. Aurélie, mon assistante, je vais prendre le temps de le positionner. On va donner un décompte de 3, 2, 1. Il va devoir enlever le bandeau, partir en courant et glisser. Et au moment qu'il va arriver devant la pancarte, ben là, on va enlever puis il va glisser là-dedans. Il n'y a pas le choix. Tout le monde comprend? Donc, Kevin! Ouais! Gauche ou droite? Droite! Droite! Parfait! Donc, Aurélie le positionne et moi je vais me placer pour être prêt à enlever la pancarte. Attention! 3, 2, 1, go! Wouh! Let's go! J'ai pris le bambé! Wouh! J'ai pris le bois! Oh, Nid! Zit de flûte! Conséquence! Oh, mais! Oh, aïe, aïe, aïe! Fait que ça, c'est un piège, c'est ça? C'est un piège. J'ai pris un trap! C'est un trap! Ok? C'est un trap! Stéphane n'a pas jamais de trust! Ok? C'est un trap! Hey, gros bail, quand même, gros bail! Perdez jamais! Écoute, on a vu que, hey, une bonne carrière qui va avoir, Kevin. Quoi? Oh, ils savent. Comment? Genre flou. Comment? Tu sais, comme flou. Comment? À les Jeux Olympiques 2024, c'est pas si fort, man. Pas si fort. 2024. Écoute, Kev, tu vas leur avoir une autre conséquence pis tout, mais tu mènes là, pis tu te présentes. Tu te présentes. Ouais, on fait ça des fois, tu te présentes. Voilà. Moi, j'ai les lunettes descendent sur mes yeux, ça va bien. Ça va bien. D'habitude, on les a sur les yeux, mais c'est correct. Kevin, sa conséquence, il l'a fait, il apprend, il va revenir meilleur. Yes, come on. Leçon, man. Bravo. Leçon, man. Prends en note. Come on. On continue. Hey. Pour la suite. On a quand même une grosse nouvelle à vous annoncer. Ben, une grosse nouvelle. Ouais, c'est une grosse nouvelle. C'est gros. Ouais, oui. C'est gros. C'est des petites affaires, mais qui vont être gros. Comment gros? On a décidé, tous ensemble, Influence se lance sur. Ah! C'est TikTok! TikTok! Come on! TikTok Influence va commencer! Let's go! Let's go! On va être malade du tout. On va prendre le temps de vous écrire juste ici c'est quoi le nom du TikTok. Yes. Que vous ayez liké, follow. Puis on va faire plein d'affaires. Taguez-nous dans les affaires. Envoyez-nous des vidéos quand vous voulez voir. Et moi, je veux voir telle personne faire telle danse. Comment? Et puis on va faire plein d'affaires. On va vous donner un contenu de qualité. Yes! Mais on va vous expliquer dans le fond. On va voir les agences sociales. Ouais, on va aller les voir. C'est les agences sociales qui ont décidé de partir ça, right? Puis ils vont prendre le temps d'expliquer l'affaire. Puis ils vont prendre aussi le temps de vous présenter notre première vidéo TikTok influence. Yes. Comme un os! Moi, j'ai adoré ça. Eux, ils nous voient, mais nous, on les voit pas. C'est ça! Fait qu'on écoute ça là! Là! Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on a une nouvelle assez spéciale à vous annoncer. Nous avons ouvert notre page TikTok! Allez, faites prr prr dans les commentaires! Prr prr! Yes! Donc, comme vous pouvez voir, aujourd'hui, nous sommes en thématique summer. Parce qu'on s'en va à la playa. Donc, on se rencontre sur notre page TikTok qui va être écrite juste ici pour aller voir une petite vidéo que les leaders et nous avons mis sur pied.
Donc, on se cache là-bas. Wouh! Cette vidéo que les leaders et nous on a fait, ils ont mis du temps, de l'effort. Ah, si eux ils ont été capables de le faire, toi aussi tu es capable de faire. Hey, Macarena! Fait qu'on se revoit la prochaine! On te voit, mais toi tu ne vois pas. Joseph! Mettez-vous dans le milieu en arrière. Les autres, arrêtez de bouger. Placez-vous. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo, let's go! TikTok influence! Yo, t'es en train de parler sur ton téléphone? Je suis en train d'aller follow le TikTok d'influence! Come on! Ok, c'est chill là! Yo, je vous demande de faire ça. T'es en train d'aller liker notre première vidéo là, la petite danse. Très fort, très fort. On est sur TikTok, ça passe. Yes, man. Hey! Soyez là. Qu'est-ce que t'as à dire? Soyez là. Soyez là. Vraiment. Hey, qu'est-ce que t'as conclu aujourd'hui? Ça m'en fout, man. C'est fini aujourd'hui. C'est fini. C'était notre épisode spécial Pool Party. Yes. Pool Party. La dernière vendredi du mois d'août. Ouais. Dernier vendredi d'été. Ouais. Profitez-en, guys. C'est ça, go out un peu, là. Ouais. C'est ta dernière fin de semaine sans école, là. Comment? Va sport, là. Mets-toi un soupe, là, puis va te baigner. Come on! C'est ça, cette fin de semaine. Va tenter de te baigner avant que l'école commence. Non, mais fais hâte à l'épisode, right? Yeah. Vous avez aimé ça, les épisodes thématiques? J'espère que oui, parce que... Come on! Hey, si t'as aimé ça, prends un like. Un like! Puis si t'as vraiment ça, puis en fait, je te demande de faire ça, va follower la page de YouTube MCI. Active les notifications pour être certain de rien manquer. Come on! Ce que MCI fait. Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! C'est quoi on fait après? Et puis après ça, bon, là, t'sais, on s'arrête pas là. On share, man! Share! C'est facile, t'as quand même le petit bouton du like. T'as le petit bouton de genre t'abonner, puis là t'as le petit bouton de share. Fait que tu shares. Tu fais les trois. That's it. Puis c'est ça. T'es en business. Qu'est-ce que le 3 fait penser? Le 3 fait penser à le groupe Connect! Come on! Moi j'aurais juste dit la Trinité! Oh! Come on! On va prendre le temps d'expliquer, c'est quoi un groupe connect? C'est quoi un groupe connect? Comment? Sur l'enfant, un groupe connect, OK, guys, c'est tout simplement un groupe dans lequel tu te réunis avec d'autres personnes qui ont les mêmes valeurs que toi. Pour faire pipi dans une piscine? Pense d'abord! Mais d'autres personnes qui ont les mêmes valeurs que toi. Puis ça te permet de rester en contact, de pouvoir partager tes choses, puis c'est le fun. Fait que, inscris-toi si t'as pas de groupe connect. Va sur le site de MCIGC.ca. C'est ça, tu peux aller voir juste ici, c'est disponible. Va t'inscrire, trouver une connect. Trouver une connect, puis on va te contacter pour que tu puisses rejoindre une connect, right? Sinon, on se voit quand? On se revoit dimanche, guys! Ça s'arrête pas ici, on se revoit dimanche, guys. Fait que soyez là. Connectez-vous dimanche pour nos assemblées hebdomadaires que nos personnes nous préparent à chaque semaine. On se connecte dimanche. Et sinon, on se voit vendredi prochain. Vendredi prochain, là, qu'est-ce qui se passe? Écoute, vendredi prochain, je pense que... Les gens vont rentrer à l'école. Les gens sont rentrés à l'école, ouais. Fait qu'il y a-tu un épisode spécial thématique la rentrée? Je pense que... Let's go! Come on! Épisode
thématique, la rentrée scolaire. Nous aussi, on s'est mis sharp. Nous aussi, yes. On s'est dit, hey, on va rentrer à l'école avec vous. Avec vous. Uniforme, polo, bagaille. Vous allez voir, ça va être malade. On vous supporte. Yes, go. Fait qu'on se dit à dimanche, sinon vendredi prochain pour un épisode spécial thématique, la rentrée. Yes. Yes, sir. Voilà. Stéphane Coin. Adam Marie Salobo. Peace.